la lumière grise d'une aube de désespoir, en plein jour qui rend plus bouleversant encore un spectacle d'horreur, le bombardement continue malgré le départ des coups de feu et trois jours de mort. On continuera ainsi pendant des heures et peut-être des jours. Il restera son barrage invisible sur toutes les routes du courage et de la charité. Il reconstruira le domaine. Il a été décidé par des misérables, aucun être ne doit rester vivant, aucune maison ne doit rester debout. Cette banlieue parisienne où le chemin s'attendait de la paix, et qui dans la floraison de ces arbres fruitiers était sorti comme un bouquet de blancheur et d'espoir, est maintenant saccagé sauvagement, des pavillons, des maisonnettes, des menus modestes, des arbres nets, amoureusement entretenus. Transformé en brasier, tandis que continue de retentir partout les explosions des bombes d'attardement. Comment saluer comme il faudrait le dévouement de ceux qui, dans des conditions aussi dramatiques, s'obstinent à assurer magnifiquement le sauvetage des survivants. Parmi ces sauveteurs, comment oublier les cheminots, qui depuis tant de mois d'ailleurs font quotidiennement preuve du plus émouvant héroïsme. Quel plus bel hommage pourrait-on leur rendre que celui-ci, ce matin, à 5h, le train des Cipex quittait Paris. Et malgré les gares incendiées, malgré les destructions de toutes sortes, il en fait à Guigny, en gare de France. Et ce n'est pas diminuer le courage de tous ceux qui ont assuré ce voyage afin d'aider au maximum à secourir tant de détresse. Je veux dire que ce n'était peut-être pas la peine d'agrandir une cité dont la noble splendeur était une des merveilles de notre pays.